Et bonjour à tous et merci de m'accueillir sur cet appel des leaders KW France. Et Mika, vendredi, m'appelle, il fait Yann, est-ce que tu pourrais animer un atelier sur l'expérience client pendant notre appel? Je fais, ah ouais, cool, merci, moi j'adore les conférences. Il me fait, non, c'est pas une conférence, là, t'auras 5 minutes. Je fais 5 minutes pour parler 5 ans de travail sur la mise en place de l'expérience client. Et puis en plus, pour un gars comme moi qui suis hyper bavard, arriver à condenser tout ça en 5 minutes, j'espère que je vais réussir à relever le défi. On va voir. En fait, rapidement sur qui je suis agent immobilier franco-canadien, je suis hyper actif, le truc que j'ai trouvé pour me calmer, c'est les semi-marathons. Puis aussi, il y a mes deux kids aussi, mes deux enfants qui me calment bien. Eux, ils m'épuisent carrément. Je suis agent immobilier depuis super longtemps, ça va faire comme un quart de siècle. J'ai formé un peu plus de 2000 agents. Et surtout, moi, la chose qui me satisfait le plus aujourd'hui, c'est d'être formateur KW Université pour la France. Et d'ailleurs, justement, sur l'image là que vous voyez, ça a été pour moi le point tournant de ma carrière. C'était Family Reunion France. Il y a 2 ans, où justement je donnais une conférence, une breakout session sur l'expérience client. Et puis après, ça s'est confirmé 3 mois plus tard, quand avec mon pote Justin Froli, on a animé Shift pendant 3 mois. Je savais que ma carrière allait vraiment changer et que de repartager avec les autres, mes collègues agents immobiliers, c'était ce pourquoi j'étais fait pour toute ma vie, franchement. Customer Experience, en fait, moi quand j'ai rejoint KW en 2016, j'ai commencé à apprendre et à mettre en place les modèles et les systèmes, notamment sur la lead gen. Et puis j'ai appris pour mettre en place, parce que comme Mika le dit si bien, c'est apprendre pour faire. Parce que si c'est juste apprendre pour apprendre, c'est bien, ça dépoussière la tête, mais ça ne fait pas rentrer plus de thunes dans le compte de nos entreprises. Et quand j'ai cherché vraiment un levier de croissance, je me suis dit, moi, ce que je veux, c'est d'abord et avant tout faire kiffer mes clients. Et fin 2017, début 2018, j'ai appris et mis en place Customer Experience, vraiment avec simplement cette idée de faire kiffer les gens. Et puis, vraiment, ils ont kiffé. Mais ils ont kiffé fois 1000, et je vous explique pourquoi. C'est parce que entre 2016 et 2020, mes références et clients fidélisés sont passés de 30% à 80%. Ça veut dire que ma source de business en 2016, c'était du porte-à-porte, c'était beaucoup de piges. En 2020, c'était, tiens, allô Yann, j'ai envie de mettre ma maison en vente, est-ce que tu peux venir signer le contrat? Et ouais, et puis je peux vous assurer, ça change la vie. La petite courbe verte, c'est le chiffre d'affaires. Ça a été 30% par an. 2020, j'ai fait x2 par rapport à l'année d'avant. En fait, pour faire simple, en 4 ans et demi, j'ai multiplié mon chiffre d'affaires par 4. Donc ça a été juste exceptionnel. Et puis un chiffre d'affaires multiplié par 4, ça change la vie aussi, pas uniquement celle de l'entreprise. Au niveau d'un élément auquel j'ai été aussi très agréablement surpris, et c'est vraiment cool, c'est les taux de transformation. Il y a 5 ans, il me fallait 4 clients pour faire une vente. Et puis 5 ans plus tard, il me faut 5 clients, 4 ventes. 4 ventes. Avec 5 clients, je fais 4 ventes. C'est des taux de transformation qui sont passés de 25 à 80%. Et en fait, la raison pour laquelle ça arrive, c'est que les gens se parlent entre eux, c'est les amis des amis, les collègues, la famille. Et donc, il y a une forme de confiance qui est déjà comme acquise en amont. Et puis, les rendez-vous avec les clients, c'est vraiment pour formaliser est-ce qu'on a envie de travailler ou pas ensemble. Ça arrive des fois qu'il y a un client qui ne veut pas ou que moi, je ne veux pas travailler avec un tel ou un tel. Mais franchement, ça reste super rare, quoi. C'est le jeu du qui se ressemble, ça semble. Maintenant aussi, parlons thunes, c'est le budget marketing pour une vente. En fait, en 2016, il me fallait 1 359 $ pour générer une transaction en budget marketing et que 5 ans plus tard, ça m'en demande plus que 378. Alors, on me l'avait appris il y a 25 ans en école de commerce que fidéliser ses clients, c'était très bon pour le business et puis que ça coûtait 5 fois moins cher. Bon, moi, en ce qui me concerne, ça coûte 3,6 fois moins cher. Donc, chiffre d'affaires multiplié par 4, les dépenses divisées quasiment par 4. Je vous laisse imaginer ce qui gagne le plus, c'est la rentabilité. En bref, mes clients vivent effectivement une expérience super enthousiasmante. Ils kiffent fois 1000. C'est devenu ma source de business numéro 1 et qui m'offre le retour sur investissement le plus intéressant de 26 pour 1. Donc, ça fait que pour chaque dollar investi sur l'expérience client, ça m'en rapporte
26. J'ai pas d'autres postes de dépenses, je dirais, de postes d'investissement plus rentables. Si, peut-être. Si, il y a Myriam. Myriam, c'est ma coordinatrice aux transactions slash magicienne qui m'a dit il y a quelques années, Yann, les modèles et les systèmes que nous mettons en place sont là pour t'aider à servir tes clients comme tu veux qu'ils soient servis. Et franchement, avec 5 ans de retour là-dessus, je peux vous assurer d'une chose, c'est que l'expérience client, c'est duplicable et c'est personnalisable. Parce que pourquoi il y a autant d'entreprises, d'équipes, même en tant qu'agent solo ou agent en méga team, qui sont si différentes? C'est parce que l'expérience client, ça part de nous-mêmes, de chacun d'entre nous, de qui on est, de ce qu'on veut faire vivre aux gens. Donc, il y aura autant de modèles de différents qu'il y a de personnes en fonction de ce que vous voulez faire vivre aux gens. Et puis, je suis super content parce que hier soir, j'ai pris mes billets d'avion et donc je vous confirme que le vendredi 25 février 2022, je viendrai pour une seule journée pour donner cette formation KW Université sur Customer Experience, l'expérience client qui permet de construire les systèmes, bâtir les relations et fidéliser les clients pour vos propres business. Les places sont limitées à 30 à cause Covid. Et tout ça, vous retrouvez quelque part autour de la vidéo avec les inscriptions KW France. Réservez vos places parce que bah, il y a juste 30 places. Allez, je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis au 25 février. Salut!